Alors, coffre Je crois que ces types projetés par 60-23-06. balles ont essayé de braquer la banque. Oh, Relève merde! X toutes les C'est heures, comme dans ce toutes les film. 4 heures la nuit. Lequel? Oh, celui avec les cambrioleurs qui faisaient du surf. Notez s'il vous plaît, parce que Oh je vais pas m'en souvenir. oui! J'adore ce Relève film. toutes les 2 heures en journée. Pas les couilles. N, porte principale. K, porte derrière. B, coffre. N, K, font les guets. B, coffre, s'occupe du coffre. Mais qu'est-ce que je m'en tape, en fait, du gros? Je prends le coffre, moi. C'est quoi? Allez, c'est parti. Soixante, 23-06. Et voilà. Hein? Let's go! T'as oublié ton rib. Ok, frérot. Mais regarde ce qu'il y a derrière au début. Oh là là. Oh putain, mec. Oh putain, il y a une épée. Il y a une épée, les gars. Donne-moi ça. Shot fucking gun, les gars. Merci. Let's go! Et les balles de pompe tout à l'heure, ils me les ont baisées? Non mais mec, c'est bon, le jeu il est pas fini là. Tout à l'heure j'ai ramassé 3 balles de pompe, ils a pas T'as vu gardé. tous ces billets? Prends Le les billets, prends sac les en est billets. rempli. La vache. Si on vivait dans l'ancien monde, ouf, J'ai même on pas se censé être lèche. là, c'est à cause de ces connards de Neil, ils m'avaient dit là. Et après c'est mes propres gars m'ont enfermé là-dedans, les flics vont pas tarder à débarquer. Si je plonge alors mes potes plongeront avec moi, je dirai aux journaux. Et à la télé, Kyle Peters, Leon Davis, Neil Grant sont des fils de pute. Putain, je me sens vraiment pas bien. Je suis comme un porc. Mon bras a viré au rouge et au noir autour de la morsure. J'ai la tête en vrac. Oh putain, c'est comme ça. Enfin, je suis en train de me transformer. C'est mort. Je dois crever. Autant crever comme un homme. Ok. Ils ont essayé de cambrioler la banque le jour de l'épidémie. Ils pensaient sûrement que c'était une bonne idée. Oh, la cage secrète. Oh, mais fous-toi. Ah non, c'est bon. Il y a un truc. Oh, le Cool. Easter egg. Sick par. Sick par vis, 26 janvier. Ok, faut noter les gars, faut noter. Comment ça se fait que je me suis fait niquer mes balles de pompe dans le putain de... J'ai le seum là. Petit mais grande. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est fini, hein, j'ai tout fait là. On va doubler des trucs là. Pas tous les jours qu'on fait la qu'on braque une banque. C'est ma zeub qui est petite mais grande là. C'est quoi ça? Bon bah c'est tout. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Ils ont le droit de respawn? Ils ont le droit de respawn? Du coup, eux, ils voient, mais ils entendent pas, en fait, c'est ça, hein. Donc là, je peux débouler comme ça sur eux. Compris. Je crois qu'on a fait le tour. Je suis d'accord.
Ok, vous êtes prêts, les gars? Ça va s'effondrer dans 3. Eh, si tu vivais 2. Dans l'ancien monde, t'achèterais quoi avec tout cet argent? J'en sais rien. Peut-être une grande ferme? Bah, tu peux déjà en acheter une, non? Ouais. Et toi, t'achèterais quoi? Une navette spatiale. Mmh. Oh! Oui, c'est vrai. Ton délire d'astronaute. Eh, hey, c'est beaucoup plus cool qu'une ferme. Une ferme, c'est beaucoup plus pratique. Oh. Bon, je crois que j'ai fait tout. J'ai fait le tour. Allez, on continue sur la quête principale, les gars! Regarde les infos, les niveaux d'infection. C'est bon, j'ai déjà regardé. Oh, on a trouvé un fusil à pompe. Alors, ça valait le coup. Super, direction le tribunal. On va passer par là. Oh, il y a un pompier là. Oh, il y a des escaliers là, les gars. Je suis obligé de le faire. Putain. C'est terrible là. Par contre, mec, si les devs là, ils ont rien mis. Alors, ils mettent des escaliers, mais il n'y a rien. C'est solide, tu crois? Je sais pas. Bah non. Bah non, attends. Mais con... El coño. Tu sais que j'ai failli dire que c'était plus fluide que Assassin's Creed pour se déplacer. J'ai failli dire ça, les gars. Parce qu'en fait, y'a pas les blocages au bord. Tu te sens pas bloqué au bord. Y'a un easter egg là, 100%. C'est bon. Oh yes. Oh yes, ça valait le coup, les gars. Où ça valait. Ah, c'est le coup, mec. Ok. Trois tournevis. Y'a plus rien ici. Oh. Oh. Salut. Ça valait le coup, les gars. Encore une fois, ça valait le coup, hein. Non mais comment, mec? Comment il meurt là? Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Ok, il n'y a plus rien ici. Un sub, nice. Alors, j'ai un kit de soins, j'ai pas assez, je sais toujours pas fabriquer une arme au corps à corps. J'ai 72 pilules. 72 pilules, mais en vrai, je vais les garder, je pense. Attendez. Fumigène supplémentaire, bah les couilles. Mec, le mode écoute, je pense que je vais le faire, les gars. 50% de vitesse de déplacement en plus. C'est pas mal, hein. J'aimerais bien attendre de débloquer ça, là. Manuel d'entraînement, les gars. Ok? Viens, on attend. C'est pas nécessaire, de toute façon, maintenant. De toute façon, je suis un bourrin. Et donc là, apparemment, je peux pas sauter, en fait. Et là. Et c'est bon. Ça valait le coup, les gars. Mec, y'a trop de trucs là, y'a trop de trucs. Ah, ça, une petite allée là. Oh putain, merde, j'ai vu un truc qui me coursait. Non, mais gros, y'a trop de trucs! Je suis obligé de les faire, les gars, parce que sinon je vais être en PLS tout le reste de l'histoire. Oh mec,
c'est beau ça. Quand je vois des tiroirs comme ça, c'est beau, c'est beau. T'es obligé, les gars. Bah, acheter des pilules. Oh, ce con aurait perdu sa jambe. Et si on l'avait pas emmené vite fait à Severana, j'ai décidé de futur cas d'urgence. Jambe cassée, infection, connerie des Derek. Est-ce que tu vas par là-bas? Tu veux bien rater la planque du poste de contrôle ouest? La porte n'est pas ouverte depuis des années, mais le code est toujours celui de West 2. Oh yes, j'ai le code en plus. Yes, elle l'a marqué sur la carte. Oh, une pilule. Le code c'est 107 SES, ouais. Ouais. Le code c'est SES. Il est où le truc ouest là? Bah c'est ça, c'est là où je suis. Non? C'est là où je suis, non? Le truc ouest là. Le jeu va être sur PC. Peut-être dans 10 ans, ouais. Ouais, peut-être dans 10 ans. T'as entendu? J'ai entendu. Désinfecté. On dirait qu'ils sont dans le bâtiment. Oh, ça s'annonce mal, non? Bah, au moins, on sait à quoi s'attendre. Le 9 mm, il pue la merde, les gars. Mois, Vladon Rider, 9 mois, GG Gaming, 14 mois. Ouais, chute. Et laisse tomber la trappe derrière nous. Oh, putain, il a des balles, lui. Ouais, je suis à deux doigts de mettre la pilule. R3 pour allumer la torche. Je vais pas les couilles d'allumer la torche. Oh putain. Terrible. Là, je me bats trop vers le bois là. C'est horrible de devoir se déplacer lentement, les gars. Vraiment, je vous le dis, c'est très frustrant. J'ai envie de fuir, en fait, là. Ce serait bien que tu viennes, toi, là. Que je te clear. Ouais, nice, viens. Je vais te clear. Donc là, si je me déplace comme ça, il n'y a aucune chance qu'ils m'entendent. Qu'est-ce qu'il est moche? Qu'est-ce qu'il est moche, je fleur là? Ce qui est dommage, c'est que je peux pas faire des doubles limes. Tu sais, avec le mec là. Avec l'autre mec avec moi là. Il peut pas, là, lui là, il peut pas faire une double lime avec moi. Oh, lui il va me cramer. Hein. Oh putain, ça c'est pas bon ça. J'ai une question, les gars. Pourquoi le chou-fleur n'attaque pas? Moi, je vous plains, on n'attaque pas elle alors qu'elle fait du bruit. Tu vois ce que je veux dire?
Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi le chou-fleur va pas attaquer le mec là-bas alors qu'il crie? Tu vois ce que je veux dire? L'odorat. Ah, vous avez toujours toutes les réponses en fait. Hein. Ouais, vous avez toujours toutes les réponses. Heureusement que j'aime la pizza, il vient de tout claquer son prime. Merci mon pote. Bon alors là, ça bouge ou quoi là? Bon, allez, je vais être obligé de claquer une brique, hein, parce que franchement, mec, ils sont trop lents. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas faire tourner la roue là dans cette condition. Je peux pas. Je peux pas. Mais c'est même pas une question de tirer en fait, vous comprenez ou pas? C'est une question de logique. Pourquoi est-ce que je vous fais griller? Bon allez, moi j'y vais. Ok. Il me voit lui ou ça se passe comment? Il me sent? C'est ça, il me sent lui. Non? Lui, il me sent. Il me sent lui. Ah non, mais il me voit lui. Littéralement, il me voit en fait. Il va prendre un coup de pompe. Moi, je te le dis. Ah non, là, c'est bien là. Il me sent là. Il me sent en fait lui. Allez, vas-y. Attaque Kiki, Pikachu. Mec, mets pas ta main sur son truc là, t'es dégueulasse ou quoi là? Oh putain. En fait, c'est un niveau 4 le mec, c'est ça, je comprends pas. Parce que t'es en difficile. Faire griller ici. Heureusement que tu es quelqu'un comme ça, ça fait pas de bruit. Mais par contre, marcher un tout petit peu trop, là ça fait du bruit ça. Putain, lui c'est un chien. Je vais le finir et je vais looter la zone. Streamhack. Oh, je kiffe les points de sauvegarde. Lui, je peux pas l'approcher, alors, littéralement. Regarde, si je l'approche comme ça, ce qui est archi lent, ok? Si je l'approche comme ça, ce qui est archi lent, il va quand même cramer. Ok, bébé, vas-y, viens voir. Allez, vas-y, viens voir. Surprise! Ah là, c'est bon, il m'a cassé les couilles, lui. C'est un sonar, mais en quoi un sonar me détecte? Ok. Je suis AFK. C'est tout? Il a un capteur cardiaque.
Allons. Oh yes, des balles. J'ai cheaté. Ouais. Oh, j'ai cheaté les balles. En gros, plus tu crèves, plus tu ramasses des balles. Oh, j'ai trouvé un cheat. Oh merde, non, j'aurais pas dû le dire à voix haute. On essayait de savoir si quelqu'un mentait. Pour ça, il me suffit de 5 minutes et d'un couteau. Et je sais direct si quelqu'un ment ou pas. Oh, wow. Okay. Du coup, j'ai que une balle de pompe et 2 balles de revolver en plus. Super les loot, hein. Vraiment. Super les loot. En vrai, les gars, ce que je fais pas, c'est... Chat, et ce que je vais faire là, avec le jeu, là, plus je vais avancer dans le jeu. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais beaucoup plus esquiver les ennemis que de les attaquer, tu vois. Surtout qu'ils lootent rien et tout, c'est l'enfer, vraiment. C'est l'enfer. Eh, hey, tu m'aides? J'arrive. Je vais beaucoup plus les esquiver, les gars. Alors ça, tu vois, j'aurais fait avec les claqueurs en vie et tout ça, tu vois. T'as déjà mis les pieds dans un tribunal? Non. Tu veux dire que t'as jamais eu d'ennui à Boston? Bien sûr que si. Mais j'ai jamais atterri au tribunal. Ah, quand il claque, c'est là où il voit si je suis à côté ou pas, en fait, c'est ça? Quand il claque... Oh putain, c'est un sub encore. Un sub. Oh zut alors. Donc c'est quand il claque qu'il faut que je me cache. Et quand il claque pas, il faut que... Faut que je sois bien en fait. Quand il claque pas, je peux attaquer. Il s'est passé des trucs moches ici. Oh, un mot de passe. Parking. On y trouvera de l'essence. Si on en croit la note, ouais. Bon, alors on y va. La porte est fermée à clé, on va devoir casser la vitre. Classico. Oh putain, oh putain. Je viens de dire tous ces sacs, mec, mais pas une arme. Ok, frérot. Car récemment, je pouvais comprendre que tu restes avec eux, nanana. Et aujourd'hui, vous commencez à être clair, nanana. Écoute, il n'est pas trop tard, je porterai garante pour toi. Retrouve-moi à Ruston à 2h vendredi. Viens seul, je te prie, ça fait peur de toute façon. C'était okay. Mérité, je suppose. Oh! Ah, j'ai cru qu'il y avait des codes secrets là, écrits là. Oh, que c'est étrange. Une porte verrouillée. Oh, coffre. Ok, attends. Ok, 86-07-22. Ok, frérot. Un couteau. Ça peut être utile. Ouh. Let's go. Oh, mec, un coffre. On est bien là. Ça dit quoi? Ce type était un commandant de la Fedra, on dirait. Nous avons mis en œuvre le plan d'urgence. Ils sont fait surprendre par le WLF et essayé de s'enfuir. Et merci pour le résumé. Ils sont combien pour être capables de vaincre l'armée? Pas besoin d'être nombreux quand on est aussi violent. 86-07-22. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Ouais, faisons pas de conneries. Ok, c'est Jesse. C'est tout ça. Les gens qui sont encore en vie, là, ça c'est du lore. C'est vice. Allez. C'est quoi le prochain? 07. Oh merde! Pourquoi je confonds toujours 87? Dès qu'il y a un 6 et un 7, je confonds tout le temps, les gars. 86? Ouvert la porte.
recette. Non! Mais putain, mais... Allez, concentre-toi, 86. 07. 22. Bon! Allez, des loutes. Ouh, des belles vis là. Seulement 7? 19... Ah, ça c'est pas mal. 19 antibios, ça c'est bien ça. Devrait y avoir un atout comme comme dans Assassin's Creed, t'sais, t'appuies dessus, t'as tous les loots qui sont autour de toi. Ça serait cool ça. Attention. Attends, là y'a un easter egg ou c'est moi là? Là y'a un easter egg là. Non? Ok, non, il n'y a pas de story. Attention, l'ascenseur, il va faire boum, hein. Ça va faire boum! Ouf! Il y a de l'eau? Oh non! Il y a de l'eau, les gars, oh non! Il y a de l'eau, les gars! Mais j'aime pas. L'eau et les monstres, c'est pas bon! Merde! Oh merde, oh merde! Deux minutes là! Putain, je suis en train de tuer tout le monde! Oh, vas-y, gâche tes balles! J'ai claqué quoi? 4 balles les gars là-dedans? 4 balles? Vachement bien, hein? Oh bordel. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est le type de l'éphédra, mais on n'a pas pu sortir du parc. Des ciseaux! Yes! Bordel. Putain, yes! On n'a qu'à trouver l'essence. On va pas grimper par là. Mais pourquoi en fait on siphonne pas un putain de navire là? On a juste à siphonner un navire en fait. Voiture de police, mec. Obligatoire là. Obligatoire. Le shotgun dedans là. Oh, oh merde, c'est la ceinture. J'ai cru que c'était des balles. Ah, j'ai toujours pas tiré une seule balle de mon putain de fusil, les gars. Donc merci la voiture de police, hein. Merci, hein. Elle a une brique. Une brique, mec. Voilà ce que les voitures de police aujourd'hui donnent. J'ai pas fait la citerne. Attendez, je loot d'abord avant de faire la citerne. Alors ? Ce qui est bien, c'est que là, je serais arrivé ici sans le truc là, rouge. On a de l'essence. La chance est enfin tournée. Nous porte pas la poisse. Genre le jerrycan il rentre dans ton sac, frérot. Ok, vas-y. Direction ah, si, rentre, le ouais, portail, j'avoue. Fuck Fedra. Et maintenant, comment on fait pour sortir d'ici? On ouvre le grillage. Attention, il y a une armée de zomblards derrière. Elle a mis deux points, t'as vu? Ok, on lâche. Bien joué, Dina. Merci. Oh mec, j'ai cru que c'était un world boss.
sport. J'ai regardé le cheval. Mec, de côté, on aurait dit un énorme truc affreux. À nouveau Abby et ses amis. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Pas faux. Ouais, plus de matériel, ouais, avant de continuer. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai absolument tout fait, en fait, frérot. À part le resto devant nous, là. Je vais... Oh, mec. On va juste faire le resto. Tu reconnais quelqu'un? Non. Ils sont trop vieux. Ted et Jackson étaient encore des gosses. Ah, c'est perdu de temps. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, regarde dans les anciennes planques de WLS. Si tu trouves des réserves, il y a peu de chance, mais on sait jamais. Prends tout ce que tu peux, retrouve-nous à Sierra Nevada. Je peux pas, Kimbo, là? Joël adorait le café, non? Dommage, je peux pas, Kimbo, mec. Je plaisante. Il aurait échangé n'importe quoi contre un paquet de café. J'ai jamais compris. Je veux pas ça, putain. Bon goût, mon cul, ouais. Oh. Oh. Putain, faut avoir l'œil, hein. Faut avoir l'œil, les gars. Vous avez vu, faut casser des trucs, des fois, putain. Faut avoir l'œil, sa mère. Oh merde. Faut casser des trucs, les gars. Faut avoir l'œil, sa mère. Oh mec, je viens de découvrir qu'on pouvait casser des trucs pour avoir des trucs derrière. Putain, fais chier. Je peux cacher le sac aussi. Yes, des gélules. Comment ça, y'a rien là? Oh merde! Méfie-toi! Police! Bon! Oh putain, c'était sûr, c'était sûr! Ça va? C'était sûr, bordel! Putain. Ouais. Comment ils font pour rentrer partout? Je sais pas. C'était sûr. J'aime pas ces trucs. Des clés! Ça ouvre quoi? Il y a marqué Barcos dessus. Elle ouvre quoi, à ton avis? Je sais pas. Faut ouvrir l'œil. On pourrait aller y jeter un œil. Putain, wow! Non mais je rêve toujours sur console, frérot. J'ai le choix de jouer à Last of Us autrement que sur console? Non? Bon bah voilà, frérot. Fin de l'histoire. Je crois qu'on est déjà passé par là. Non. Oh mec! 7 pièces! Il me demande d'aller où là? Ok, ah c'est là. Putain mec, je dois faire tous les bâtiments de cette planète en fait. Je vais améliorer mes armes et tout. C'est bien ça. En avant, paillettes. Hey, tout va bien? T'as le mal du pays? Juste un peu. Oh putain. Et toi? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque. Tu sais, j'ai toujours rêvé de retaper une ferme. À l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite? Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça? T'es tout droit devant moi? De moi, c'est ça? Vraiment devant moi, là? Non. Franchement, cette idée me plaît beaucoup. Vraiment? Mais... Oui. Ouais, c'est ça? Vraiment. Je crois que l'entrée est derrière, l'entrée est derrière. Tu me saoules!
Aïe. Poussez-vous, putain. C'est là. Merde, putain. Y'a pas moyen d'appeler le cheval. C'est pas sur la clé que t'as trouvé. Imagine, j'adopte un chien. Ok, donc eux ils ont oublié de... Attention, il y a des zombies, ok. Dès que tu vois que c'est comme ça, il y a des zombies. La clé. Oh merde, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il me faut des balles les gars, parce que là ça crame les balles. Attention les gars, on s'est fait dire bêtises. On dirait que ça appartenait au WLF. Bear your fangs. Ils nous prennent pour des moutons. La propagande WLF. Ça me rappelle les Lucioles à Boston. Au Nouveau-Mexique, c'était les corbeaux. Ils s'étaient autoproclamés protecteurs de la Constitution. Et c'était qui exactement? Des ex-fédra qui voulaient plus payer. Oh baby, ça c'est bon ça. Ils menaient des raquettes de protection. Putain mais mec, ouvre les coffres là. Des grands hommes. Tu m'étonnes. Ouais. C'est quoi? C'est des plans pour attaquer un convoi de la Fedra. Cet endroit est à l'abandon. Ouais. Ça fait des années que personne n'est venu ici. Et si on allait voir? Huit! Je pense qu'on a tout fouillé ici. Non, clairement pas en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Une ceinture. Équipée. Kuni et Ghost auraient adoré ce truc. Étui d'armes longues. Oh! Ça c'est beau ça. Mec, l'exploration. Imagine, tu finis le jeu, tu peux finir le jeu sans tout ça? Déjà, t'explores rien du tout et tu te barres. D'arriver à Jackson. Comment mais ça plein? Il n'avait pas vraiment envie de nous suivre, donc. Il me manque ces petits griffouilleurs. T'as eu des animaux de compagnie? Non, c'est pas trop mon truc. Eh ben, peut-être que quand tout ça sera fini, on pourrait en avoir un. Comment ça plein, mec? T'es malade! Jamais plein, nous, attends! Vaut le coup là, 350. Oh putain, c'était ça, ouais. Toujours adoré Astro, gros. Oh yes, mon cheval est CTP. Je crois que j'ai définitivement fini sur le village, les gars. On va continuer la quête. Ah, j'ai fini. Oh non, mec, y'a le convoi maintenant. Y'a le convoi, mec. Y'a encore des trucs à prendre, mec. Hé, t'es inquiète? À propos de quoi? De tout ce qu'on a trouvé sur le WLF. Putain, le nombre de dialogues qu'il y a, putain. On dirait qu'ils sont plus organisés que prévu. Ouais, bah ça change rien pour moi. Ça veut juste dire qu'il va falloir être plus prudente. Au moins, ils savent pas qu'on va leur tomber dessus. Exactement. Tout va bien se passer. Je sais. Bon. On ferait mieux de retourner au portail Fedra avant la tombée de la nuit. Ouais. Peut-être qu'on croisera des WLF à la base Cerevena. C'est là. Ouais, bah vous me cassez les couilles avec votre tombée de la nuit là. Faites pas genre, c'est scripté de toute façon. Oh baby. Ce type était un officier. La mine d'or. Dans un camion de ravitaillement. Il se cachait peut-être.
Je vois des trucs qui brillent, moi. Ouais, on peut dire ça. Tout est en place, nous vous attendons. Une fois le convoi arrêté, les officiers, tu pourras abandonner ton poste et nous rejoindre. Je sais que tu as pris de gros risques et vécu dans la peur. Ta loyauté est appréciée. Ok, cool. 9 bijoux. Ok, c'est tout. C'est pas mal quand même. Hein. C'était gratos, c'était sur ma route, c'est pas mal. Franchement, on peut pas se plaindre, les gars, ok? C'est très faible. Je sais que c'est faible, les gars. Mais c'est pas mal, d'accord? J'ai envie de faire le truc en dessous. Vous en pensez quoi? La cascade. Bah, on peut pas. Comme ça, c'est réglé. Ok, on peut pas. Peut-être faire ce camion aussi, hein. Peut-être faire ce camion. Attends, je sais pas si c'est marqué les ronds. Ouais, dommage. Putain, le cheval, il vient là, c'est beau gosse ça. Hein. Au moins, dans Assassin's Creed, il vient pas quoi, il vient jamais quoi. Ok, c'est parti. C'est parti, chat! Oh putain, il y a une caisse là. Ah ouais, ça c'est une caisse ça. Ouais, ça c'est une caisse. Elle grimpe là ou pas? Oh non. Oh non, c'est un J-bait. J-bait. Bon, il faut que j'arrive de me faire J-bait, les gars, ok? Grimpe! Non, mec, c'est pas un J-bait. Attends. Non, c'est pas un J-bait, les gars. Attends. Laissez-moi réfléchir. Je fais juste un petit tour. S'il y a une montée, mec, c'est. Jusqu'au portail feu de Fedra. Ok. Ah non, c'est mort. Eto TV, 10 mois. Alco, 38 mois. Shemin, 18 mois. Psychus, Subopère, Kexé, 8 mois. Merci, l'Exawood. Eh bah, quelle aventure. Subopère, merci, les gars. On n'a croisé aucun WLF. Eh, hey, la ville est grande. On commence à peine les recherches. Ouais, je sais. J'avais espéré en trouver au moins un. Non, mauvais endroit. Ok. C'est parti. Ok. Je m'en charge. Tu peux taper le code. C'est quoi le code ? Les générateurs sont parfois capricieux. Il faudra sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Pardon, tu disais ? Non, rien. Code des postes de contrôle, c'est ça.
13,82 ou 53,45. Bon, ça a marché. Let's go les gars. Bon, pas de comité d'accueil. Je sais que ça vous casse les couilles quand je loot les gars, ok? Mais il faut. Et en plus c'est bien accompagné de dialogue, donc c'est cool, c'est cool. Surveille bien les fenêtres. Ça sera un coup de snipe frérot là, ça va être abusé. Oula, il y a un son là. Observez. L3. Observez. J'ai cliqué, ça marche pas. Il y a un loup. Il est moche le loup en plus. Il est très très moche ce loup. T'as vu ça? Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. On pourrait faire pareil du coup. Pas de coup de feu. C'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. On pourrait faire pareil ou on serait obligé de faire pareil, je pense. Parce que de toute façon, le Ghast Hit 1, il faudra remettre de l'essence. J'ai envie de faire pareil, je suis curieux, les gars. C'est un J-Bait de ouf, mais. Un J-Bait. Un J-Bait, mec. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tourne ta visée! Oh merde! Il y a trop de monde, les gars. Il y a trop de monde, les gars. Oh putain, j'ai cru que c'était un miel. Non, ça va en vrai. 7. Ah mec, ça va le coup. Ça va le coup, les gars. 7. 7 pièces d'or. Oh merde. Attends mec, ce qu'il leur faut eux, c'est exactement ça. Pourquoi il meurt pas? Meurs! Mais gros, il meurt pas, gros! Comment tu décrames dans la vraie vie, mec? Tu as deux doigts de les Assassin's Creed, oui. Je pense que je vais les Assassin's Creed, les gars. Dommage, je peux pas le choper là, comme. Mec, comme dans Assassin's Creed, là, je peux pas, tu vois. Putain, il casse les couilles là.
vois rien, tu vois rien. Il y a un fusil, mec, par terre, gros. Il y a un fusil par terre sur le mec, là. Ramène-toi. Pas grave si l'autre il me voit, c'est pas grave. Allez. Surprise. Oh là, mec. Tu es trop bien formé, mec, à Assassin's Creed. Ok, ça c'est fait. C'est récent, ça. Celui-ci est encore chaud. Et il y a un loup sur son insigne. Les wolves. WLF. On dirait qu'ils ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. Pourquoi c'est tu veux zoomer là-dessus, en fait? Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un Vulcain infecté, il serait mort, c'est tout ce qui compte. Une balle, mais quel cochard. Autant profiter d'être là pour faire le plan. Oh oui. J'aime bien quand tu parles comme ça. Oh putain, j'aime bien quand elle parle comme ça, mec. Le mec là-bas, il va se réveiller, ok? Soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués, d'accord? Je vous... Comme ça, vous sursautez pas grâce à moi, ok? Je sais que vous avez tous peur, le chat. Je sais que vous tremblez, les gars. Okay. Je sais que vous tremblez tous. Va se réveiller, ok? 3, 2, 1. Oh merde! Tu les reconnais? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Deux vis. Vraiment? Même pas. Arrête. T'as des cartouches partout là. Oh, 9 vis, let's go, putain. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas ce que je viens de ramousser, les gars. Mais là, t'as des armements partout, gros. Et il y a même pas une balle qui traîne. Oh putain, l'aspirateur, j'ai cru que c'était une machine gun. J'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de rab, on sait où en trouver. Ah ouais? Oh non! Non, le jeu! Ils vont pas me faire faire ça! Rassure-nous. Je vous rassure, les gars, on va tous mourir. Ok? Ils vont vraiment me faire faire ça, mec. Je dois revenir ici pour prendre l'essence. C'est fou. Terrible. Ah mec, il y a des gens ici, hein, 100%. 100% mec. Pas possible, j'y crois zéro. Je le reconnais pas non plus. Attention. Chat. Oh merde! Pas mal les miroirs, j'aime beaucoup les miroirs. Le manuel d'entraînement vous donne accès à de nouvelles branches d'amélioration. The camouflage issu. Nice. Alors qu'est-ce qu'on a? J'ai 133 trucs, ok. Furtivité. Confection de silencieux. Confection d'un silencieux qui absorbe totalement le bruit de tir jusqu'à ce qu'il casse. Ah, c'est ça par contre. Permet de ramper plus rapidement. Maintenez hop quand vous êtes par terre, ça c'est cool. Ça c'est grave cool, frérot. Manuel nécessaire d'entraînement, putain mec. Il me manque un truc là, il me manque un truc encore, putain. Mais je vais le prendre, 100%. Mode d'écoute netteté. Les ennemis détectés en mode écoute apparaissent plus nettement. Maintenant, R1. Pour repérer les ennemis proches. À travers les murs. Mode de durabilité des silencieux convectionnés. 3, 5. Ah, ça fait juste 3 balles quoi. Silencieux. Waouh. Les animations furtives gagnent en rapidité et en discrétion. 100% de vitesse. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça me donne envie d'aller jusqu'au bout, les gars.
Mais je sais pas ce qu'il y a après, donc. Donc bon. Ah, je vais faire une lame. Monsieur, c'est quoi? C'est un tissu et une bouteille? Le silencieux, je vais faire ça. Et silencieux. On va l'ôter, les gars, ok? On va l'ôter pour le. Au cas où, si on tire, genre. Parce que généralement, quand je sors mes armes, c'est pour tirer, les gars, ok? Donc, c'est des magazines qu'il faut que je trouve. 18! Oh putain, c'est bon ça! Ça fait plaisir là les gars, on trouve des gros stacks là, ça c'est bon ça. Dégage. Ça aurait été cool aussi qu'elle t'aide à looter la meuf, tu vois. Vois, parce que ça fait beaucoup de doutes. Vendredi, je suis crevé, mais c'est pas facile. On va dégager, c'est fâché, c'est reconstruire, ok. Une carte. La bombe aérosol, je peux pas la prendre? C'est dans mon chemin à chaque fois. C'est pas ce que j'ai ramassé là. Apparemment du scotch. Le rasoir là, je peux pas le prendre. Ça fait pas office de surin ça? C'est cool ça, je crois qu'il y a plus le délire de surin, si? Non, non, si, il doit y avoir ça. Hein. Vous allez voir encore le délire des surins, les gars. C'est juste que j'en suis pas encore, je crois. Attention, debate! What the fuck? Thématique, les gars! C'est quoi ce bordel? C'est un coup de C'est Glenn? Tenue. Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Ah! Merde. Il y en a un autre par ici. Lui, il a donné le code! Il nous a donné le code 7302. Il les utilisait l'un contre l'autre. Comment ça? Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Pas mal. Sinon, tu les tortures. Ouais. Pas mal du tout. J'aime beaucoup cette strat. Est 1. Encore un code? On dirait bien. J'ai noté avant toi en fait, hein. Et meuf, t'es en retard. T'es en retard, meuf. T'es en retard, meuf. Ça vient d'arriver, Ellie. Nice scénario, ouais, mec, moi je. Non. Ouais. Là, quand je vois le temps, je me dis putain, je vais devoir arrêter. Alors, j'ai pas envie d'arrêter, tu vois ce que je veux dire? Bon, sinon, il a pas laissé de loot, lui là? Sortir par là. Et peut-être rejoindre Tony. Ouais. Là, ça là. Ça. Oh.
4 et 4. Non, non, la machette est mieux. Je peux la réparer, ma machette? Ah, tu me bloques en fait, ah, d'accord. Tu m'avais dit que Tommy en avait bavé par le passé, mais. La vache. Je sais. Est-ce que ça va? Y'a un chop! C'était pas beau à voir. Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion de Tommy. Si les meurtriers de ma sœur étaient ligotés à une chaise, je leur ferais pire. Ouais, je venue blanche? Non, 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 mec. Comment je me suis dit ça, mais non. Comme ça, tout le monde aura sa chance dessus. Mec, s'il me faut revenir parce que j'ai pas déclenché le prompt ici de l'essence. Et moi du portail. Tu te souviens du code? Celui écrit avec du sang. Ça peut être utile. Boss. C'est bon. Pas besoin d'essence. Dieu merci. C'est bon. Pour moi. La vraie question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fonce dans le tas, ma vieille. Je propose qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les environs. Ouais, ça me va. Oh yes, on va faire du sexe. Ok. Il faudrait trouver un bâtiment accessible. De préférence sans infecté et sans WLF. Sans Wolf. Peu importe. Ouais. Et de la weed et du sexe, c'est tout ce qu'il faut. Si jamais t'as un petit creux. Ça va, merci. Oh merde! Dina! T'as juste en train de penser au sexe! Allez! Dina! Putain, mec, joli debate. C'est quoi ces monstres? Je joue? Oh, petit pute. Ils ont tué mon cheval. Là, ça dépasse les bornes! Je pensais pas te revoir un jour. Comment tu nous as trouvés? J'ai dit que je cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Il y en a combien avec vous? Juste vous deux? Tu m'arrêteras pas. Jordan! T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson? Ouais. Cette fille était là. Quoi? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Faut qu'on l'amène à Isaac. Oh, exactement ce qui se passe. Ouais, bah Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Oh, attends, fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler, qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. Combien ils sont, on les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même. Tout ce que j'ai fait, je vais faire mon boulot. Tu peux pas. Yeah, baby! Dina! Mais elle est pas douée, elle! Mais elle est pas douée, en fait! Elle est pas douée, en fait! Mais qu'est-ce que tu fais debout sur une vitre? T'aurais pas dû venir ici. Dina! Oh non, mais qui... Ouais, vas-y. Ouais, ok, d'accord. Il y a un rond, là. D'accord. Ok. Ok, ensuite. Carré. Allez! C'est bon? Le couteau? Surprise! Attaque éclair, les gâteaux! Ouais! Yes! Vas-y, encore!
La prochaine fois, tu resteras pas debout sur une vitre, s'il te plaît, ok? Tire pas, garde la balle, s'il te plaît. Si on veut. Ellie. Pas d'où est la meuf, hein? Il faut qu'on parte. Ramasse ses loot. Ouais, loot. Regarde, c'est une de leurs. Viens, on verra ça plus tard. Loot. J'en sais rien du tout. Mais prends leur M4, allez, prends leur M16. Putain, da, on y va là. Oh merde. Ah, ils veulent jouer au con, hein. Fais le tour. Ouh, elle ramasse le fusil. Il est où mon pompe? Oi, il est là mon pompe. Vas-y, tire-leur dessus, s'il te plaît. Je m'occupe d'eux. Toi, fais le tour. Vas-y. Moi je loot, t'inquiète. Voilà, moi je fais. Fais le tour, t'inquiète, je fais le tour. Prends de ce côté. Tire. T'as munition. T'es un bot, t'as munition limitée, vas-y, t'es un bot. Voilà. Comment est-ce qu'on va les tuer? Alors j'ai une brique, j'aime bien la brique. Il faut qu'on les savoure, ces messieurs. Bon, bah écoute, ça va pas la brique. En vrai, la brique, c'est pas mal. De ce côté! Explorez! Non, mais attends. Surprise! Attaque éclair. Saisir. J'ai ton pote. Hein, j'ai ton pote. T'as à faire quoi? Hein? Boum! Non! Élimination furtive. C'est réaliste? Bien sûr que c'est réaliste, j'ai pris une balle. Putain, toi, hey, mec, viens pas devant moi comme ça, toi. Enfonce. T'as vu combien de gars? Suffisamment. Il faut qu'on foute le camp d'ici. Ouais, je suis obligé d'attaquer à la brique et tout ça, gros, je suis obligé. Par contre, je suis un peu dégoûté le fait que quand tu tires sur un mec et que le gars il te tire 50 000 balles et quand tu ramasses ses loots. Bah genre y'a rien en fait. Oh le JB. Oh là là. Tu vois dans le game design, ils auraient jamais mis ça, tu vois, dans le game design. Ouais, il sait pas que j'arrive. Là, par ici. Mais streamage pas toi. Vas-y, tue-le. Apprends l'idée, putain. Économiser les balles, les gars. Et toi, t'apprends à viser maintenant. Hein, t'apprends à viser maintenant, frérot. J'ai pas assez de balles, frérot. J'ai pas envie, j'ai envie d'économiser les balles. J'ai pas envie. Non, mais gros, c'est bon. C'est trop. Faut pas qu'elle s'échappe. Imagine, tu vois un mec sauter comme ça en à plein gunfight. Arrête-les! C'est ma droite, ça, connasse! Non, mais c'est un délire! Tu fais toi là! Ok, j'aimerais bien recommencer l'action, les gars. Parce que. Parce que. Voilà, j'aimerais bien. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien. Non! Ouais. Vous voulez qu'on tire? On va tirer. Ah, on les contient, on va tirer les gars. On les contient, on va tirer. Oh,
Mec, pourquoi la meuf avec moi, elle tue sa mère? Et toi, frérot, t'es dans le sac. Oh putain, ça me casse les couilles. Des balles, hein? Ça va? Y'a pas de balles! Ouais. Y'en a que tu reconnais. Par contre, c'est sûr, y'a des loots. Non. Va y avoir des loots là. Deux kits de soins, mec. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire largement mieux. Allez, faut que je loot. Vous vous rendez même pas compte en fait. Vous me dites tirer. C'est... Ok, je tire. C'est facile de tirer, les gars. Je peux tirer. Mais les gars, si j'ai plus de balles, après, je fais comment pour tirer? Vous comprenez? C'est la galère, les gars. J'ai pas de balles. J'aurais dû lancer une grenade. J'aurais dû lancer une grenade. Regarde ça. Non, mais même pas une balle. Oh si, une balle. Merci frérot. Waouh. Une balle. Donc tu vois en fait, je tire sur tous ces gens là. Donc j'en tue quoi? J'en tue comment ça, plein? Oh non, il y avait de la bouffe. Oh merde. Zo, c'est pas mal ça. Donc par exemple, je tue 6 mecs. Ok. Donc pour les 6 mecs, je mets je sais pas 6 balles. Et ça me coûte. Et ça me revient à une balle après. C'est que je récupère une balle sur les 6. Pas possible. Les gars, on peut pas continuer comme ça. Et après, il y a zéro loot, mec. Et là, le prochain fight que je vais faire. Bon, je vais lui ressortir mon fusil en vrai, mais. Pourquoi il y a plus de 4 balles dedans? Ils m'ont volé des balles? Ils m'ont volé des balles. Ils m'ont volé des balles. Là, on va devoir ramper là. Regarde. Tout le monde se ramène ici. Super, il y en a un autre. Putain, ils viennent d'où ces coups de feu? J'en sais rien. Faut fouiller la cour. Toi, tu gardes la cafétéria. Moi, je reste ici. D'accord. Ouais, le truc pour ramper plus vite là, ce serait magnifique. Lui, il va y avoir que du feu, frérot. Que du feu. Un commando spectral. Dégage. Intérêt à donner le bal, hein. Après avoir saisi un ennemi, vous pouvez vous déplacer avec pendant quelques instants. Ouais. Tu sais, surtout, je peux pas ramasser ces balles, hein, surtout. Le mec, il était plein craqué, prêt à me vider les chargeurs. Mais non, les gars. Mais non. Elle est où la vieille meuf là? Elle est où la vieille peau? Attends, c'est Zarya ça? Zarya, il faut qu'elle souffre, hein. C'est pas toi, Zarya. T'as le droit de mourir instant. Silencieux, mais t'as cru que j'allais gâcher le silencieux alors que je peux juste les éliminer. J'en sais rien. On se disperse. Oh merde. C'est encore 3 là. Ah, j'utilise une brique, je pense. Ouais, rampez plus vite les gars, c'est obligatoire, on est tous d'accord ou pas? Là je suis à deux doigts d'améliorer mes antibios là. Sur le droit, méfie-toi. Oh merde. Oh putain, j'allais attaquer. Heureusement qu'elle est là, hein. Heureusement que tu m'as chuchoté. Mort, petit rat. Pas de loot, comme d'hab, pas de loot.
Waouh. J'ai drop dead. Oh putain là. Oh putain, ça va être complexe. Ok frérot. Je m'attendais à tirer mais... Oh non mais non, sérieusement là. Elle a tué un mec ou c'est moi? Oh alors toi tu vas avoir le seum. Dans les herbes. Dans les herbes ma chérie. T'es dans la merde Zarya numéro 2. La tortue s'apprête à pénétrer sa mâchoire. Ah oui, la tortue. La tortue. Surprise. Allez, ça dégage. Même pas une balle de tirer, les gars. Par contre, j'en ai même pas récupéré une seule sur ces cucklords. Franchement, mec, il y a un moment où elle est un peu nulle au souci. Il y en a un paquet. Je te l'avais dit. C'est un peu une nulle au la meuf, quand même. Genre... Tu tues des gars par terre. Ils sont prêts à te déverser des chargeurs entiers, mec. Et toi, tu fais quoi? Tu ramasses pas les armes. Kit de soin. Voilà. Comme ça, on peut ramasser le tissu. Si, c'est une pilule. C'est terrible, mec. Les mecs, tu sais qu'ils ont les chargeurs remplis. Yes, une balle. J'ai une balle, les gars. On est sauvés. J'ai trouvé une balle, les gars. Nous sommes tous sauvés. Ça, ça a toujours été mon rêve, mais les gars. Qui n'a jamais fantasmé à péter une machine, hein? Qui n'a jamais fantasmé, les gars, à péter une machine? Hein, qui? C'est 133, les gars. Est-ce que j'améliore jusqu'à vitesse de l'ascenseur à terre? Vous permet de ramper. Ça fait que là, je perds 100 points. Ok. Les gars, je sais pas si c'est les bons calls hein, que j'ai fait, mais bon. Une heure de plus? Vous voulez une heure de plus, les gars, chat? 3 heures, ça fait un peu tard, non? Il y a des gens qui vont devoir se coucher. Qui va devoir se coucher, là? Je peux avoir un... Je peux avoir un sondage sur qui va devoir se coucher dans pas longtemps, c'est-à-dire genre 5 minutes ou un truc comme ça, tu vois. Sondage de qui va devoir se coucher, genre... Rapidement là avant 3h. Ou si on continue après 3h. Si on continue jusqu'à 3h. Qu'est-ce qu'on a? Non, là-bas. Hey, baisse-toi. Elle est où? La patrouille d'Adrienne. Merde. Hé, hey, vous deux. L'intruse a filé. Quoi? T'as vu un truc? T'es sûr ils vont se baisser? Faut surveiller, non, le toit. Je vais vérifier. C'est sûr, c'est sûr. Quand est-ce que j'ai mon arc? Elle est pas dans la rue, c'est sûr? Quelqu'un a regardé? Comment elle aurait pu descendre? Aucune idée. Quelqu'un a signalé le problème? Greg est parti à Capitol Hill. Il va ramener des renforts d'une minute à l'autre. Elle est morte, elle. Je suis une tortue, frérot. Une putain de tortue, frérot. Tu vois quelque chose en bas? Je vois rien. Rien. Je sens pas trop. Franklin la tortue. On va voir. Ouais, pas. Je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas poussé dans le vide? Ouais, t'es pas marrant, tu vois. Respecte ton planning. Allez. En vrai, je sais pas si genre, là j'aurais dû les tuer.
Je veux te tuer. Oh, elle a tué. Elle a servi à quelque chose. Il y en aura d'autres. J'espère que non. Bah attends, comment ça, j'espère que non? Oh putain, elle a un fusil et tout, mec. Et on peut pas... Mais c'est horrible. Attends, je vais... Ça se trouve, c'est un bug. J'appuie sur... Non, non, c'est vraiment ça. On va rien faire. Pas moi. 70%, ça fait 30% quand même. Hein. 30% les gars, quand même. C'est quoi? On finit l'action. On finit l'action, ok? Je finis l'action. Donne-moi des balles, s'il te plaît, des balles, frérot. Genre, c'est terrible. Imagine, là, j'aurais joué en cauchemar, mec. Oh là là. À partir de maintenant, tuez tous les intrus, on enverra d'autres unités et trouver l'autre femme. Pour gagner, apporter les ressources disponibles. Ah, et surtout, laisse les plans ici. Hein. Voilà. Très beau ça, très très beau. Balle 6, j'aime bien quand la main elle fait clac clac clac, tu vois, j'aime beaucoup. J'ai presque un chargeur de pistolet, les gars. Waouh! Waouh, PogChamp! PogChamp! Quoi? On peut essayer. On pense qu'on va se faire griller la gueule surtout. Une heure de plus, STP, SDF. Osef, y'a les rodifs. Ouais, mais le but, mec, c'est pas de faire des vidéos YouTube et des streams, tu comprends, mec? Pour moi, mec, mon objectif, c'est de faire des vidéos. C'est de faire des streams. Pas des vidéos, mec. Randomizer, 21 mois, escroc, 5 généreuses, Lacousse, 2 généreuses. Allez! Tortel, Melio, 2 mois, merci les gars. Oh non, des chiens, oh non. Oh non, pas des chiens, les gars, je vais leur tuer des chiens. Il faut qu'on s'éloigne de l'école. Tout de suite. Il me faut l'arc. Il va forcément y avoir un moyen de rejoindre la rue. Là, on peut dormir ici, là. Ok. C'est bon. Vas-y. C'est cool en tout cas d'avoir un petit partenaire aussi, les gars. En fait, dans The Last of Us, t'as toujours un petit partenaire, un petit débilos qui te suit. Ça, c'est vraiment cool, ça. Tu vois. T'as toujours un petit rat. Attends. Si tu vas là-bas, c'est que c'est fini. Donc ici, il y a du loot. Connais-moi, je connais. Je connais comment le web design est fait, les gars. Oh, 11. Les gars, le prochain établi qu'on va trouver, on va se faire tellement plaisir. Il y a quoi, là? Rien. Les modos doivent dormir. Gros, t'inquiète, ils se relayent et tout. On en a plusieurs des modos, t'inquiète. Et s'ils veulent aller dormir, qu'ils aillent dormir. Faut qu'on descende. Encore une PlayStation 3.
S'ils veulent aller dormir, qu'ils aillent dormir, les modos. Attends. C'est pas une excuse, hein, frérot. Yes. Peut-être fabriquer une arme maintenant. Je peux fabriquer une arme. Ma lame, j'ai l'impression qu'elle s'est régénérée, mec. Grenade incapacitante. Je peux pas avoir une grenade explosive, gros. Ça casse les couilles, incapacitante. Je m'en fous, moi. Et arrêtez de faire genre que, mec, dans une cuisine, il y a qu'un seul objet coupant, là. Faut arrêter les conneries, là. Quand t'arrives dans une cuisine, il y a 50 000 objets coupants, mais gros, tu peux te mettre trop bien. Genre, tu peux fabriquer une arme de destruction massive, quoi. Tu peux fabriquer une bombe nucléaire, si tu veux. Genre, mec, moi, dans ma cuisine, gros, t'arrives avec tous les produits chimiques qu'il y a et tout ça, tu vois. T'arrives, tu crées tout ce que tu veux, quoi. Oh, 2 balles! Oh, 16 trucs. La mine d'or, mec. La mine d'or. Ok, on est bon. Coup de sniper. Tout le monde à terre. Ah, on va peut-être dormir ici, peut-être. On dirait qu'il y a personne. Ouais. On dort ici, c'est fini. On dort IRL aussi. Viens voir ça. C'est l'une d'entre eux. C'est une belle salope. L'autre. Jordan, Isaac nous a envoyé en mission pour 2 semaines à la station télé. Des scars ont été repérés dans le coin. La photo, c'est au cas où je te manquerais, Léa. La station télé. On va les démonter. Il y a qu'un moyen d'en être sûr. On va les déglinguer, gros. Et juste avant, sexe. Alors, c'est juste à côté de ces grands immeubles. C'est par là. Ok. Allons choper Léa. Ok, on s'arrête là ? C'était bien ça comme checkpoint, c'est bien ça comme checkpoint, ok ? On s'arrête là, chat ? J'ai envie de continuer, les gars, j'ai envie de continuer, d'accord ? Mais c'est pour le plaisir de tous, d'accord ? C'est pour le plaisir de tous. Merci de kiffer avec moi, je kiffe ce jeu, il est mortel, ok ? Il est mortel. Ok ? Merci les gars ! Rapace, 7 mois, notre cours au Twitch Prime, Nox, 31 mois mon chéri, t'es un amour, merci mon vieux. J'espère que ça se passe bien pour toi sur Valorant, j'ai vu que t'es un monstre. Tortem Mello, merci mon pote pour les 2 mois mon pote. Randomizer, 21 mois, escroc, 5 généreuses. Vevalaz, Stibinks, tier 1 VIP, merci pour tous les subs, les resubs. Merci beaucoup les gars, n'hésitez pas à sub ou à Twitch Prime. Si vous kiffez le stream, si vous appréciez le stream, n'hésitez pas aussi à follow, hein, surtout follow plus follow, parce que c'est gratuit les gars, et Twitch Prime aussi. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, ok. Je sais que ça fait très faible, tu sais, sur l'échelle, parce que normalement, tu sais, on fait des gros lives, mais justement, avec l'expérience, on a fait les lives Assassin's Creed qui ont duré 100 heures et on finissait à 9 heures du matin. Et mec, personne pouvait suivre ça, tu vois. Du coup, tout le monde se tapait les rediffs et j'étais plus un youtubeur qu'un streamer. L'objectif, c'était d'être un streamer, que vous claquez vos primes, ok. Alors claquez-les. Donc voilà, je trouve ça plus équilibré pour tous aussi, qu'on ait une vie tous normale aussi, les gars. Couchez-vous à 2-3 heures du matin, max, ok. Et levez-vous le matin, ayez une vie normale. Je me lève pas ça fait un an que je me suis toujours pas levé le matin, mec. J'arrive pas à me lever le matin, les gars, j'ai pas une vie normale. J'aimerais bien avoir une vie normale, les gars, ok. C'est pas pour moi, parce que moi, là, actuellement, il est quoi, il est 19h, 20h. Donc, mais c'est pour vous aussi. Et donc voilà, comme ça on a tous un espèce d'équilibre de vie. Je souhaite que sur mon stream, on ait tous une vie équilibrée et la santé avant tout, ok. Donc pensez à vous, c'est cool de se faire kiffer, mais pensez à vous aussi, les gars, faites du sport, mangez bien, la santé, ok.
Et puis, moi, je vous laisse là. Merci d'être resté jusqu'au bout.